Nous poursuivons avec le groupe 54 du CFAI Format Avenir, avec Elliot, Nicolas, Logan, Mathéo, Nicolas et Mohamed. Ils préparent un bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Leur relais est Laure Terrier. Ils sont mis en scène par Pierre-Louis Lanier. Le titre de leur scénette, On n'arrête pas le progrès. En ces temps immémoriaux, les hommes croyaient en une multitude de divinités, dont Prométhée, un titan accusé par Zeus, le dieu du feu, d'avoir volé le précieux élément et de l'avoir répandu sur la terre. Hola, Prométhée, je vous accuse d'avoir dérobé notre bien le plus précieux et de l'avoir donné aux humains. Bonjour quand même, Zeus. J'avoue, mon cousin, mais je ne pensais pas à mal. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? On n'est pas à la comédie française, là. Vous serez puni pour cette faute irréparable, Prométhée. Ça va, faut se détendre. J'ai juste voulu leur donner la lumière, la chaleur et tout ça, quoi. Ça s'appelle le progrès. Vous verrez que j'ai bien fait. D'ailleurs, à partir du feu, les humains ont même créé quelque chose de terrible qui va s'appeler l'électricité. Je vous promets que c'est génial. Vraiment? Vous me le promettez, Prométhée? Ah la vache! J'avais pas vu venir celle-là. Elle est quand même bien pourrie. Il s'est pris pour une lumière, le grand. Eh bien, Prométhée, je suis désormais impatient de découvrir ce que les petits hommes ont fait de cette fabuleuse découverte. Putain, mais j'y crois pas! C'est encore tout pété! Ah, quand ça marche, ça va, hein! Mais quand ça marche pas, c'est la merde noire! Est-ce donc cela ton progrès, Prométhée? La lumière qui ne tient qu'à un fil? Détends-toi, cousin! Chaque problème a sa solution! Allô? Allô? Le CFAI? Oui, j'ai encore un problème, là. Oui, je suis dans le noir. Ah bon? Tout de suite? Ah bon, bah très bien, je vous attends alors. Ah, déjà, vous êtes aussi rapide que l'éclair, vous. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit monsieur? Bah, je sais pas, moi je suis pas électricien, mais je veux juste que vous me rétablissiez la force. La force? Oui, la force. Il a dit la force. C'est quoi la force, monsieur? Très bonne question, Samora. C'est la constante de Coulomb par les charges électriques sur la distance de séparation. Ah bah c'est sûr que dit comme ça, c'est beaucoup plus clair. Ne vous inquiétez pas, ça sera dans le programme de terminal. Au boulot maintenant. Bah chez moi, la force, c'est le jus, la lumière, la puissance, appelez ça comme vous voudrez. La puissance? La puissance? Il a parlé moi, le petit humain? Calme-toi, cousin. Il veut juste pouvoir faire réchauffer son poulet curry au micro-ondes. Oula, je suis trop fort. Tu crois qu'ils y a trouvé la pointe, monsieur? Il y a juste à changer un fil. C'est bien, les gars, c'est bien. Réparez-moi ça, vite et bien. Déjà? Ah bah, vous aviez dit vite. Eh bien, ça vaut un bon 18 en pratique, ça. Eh bien, Prométhée, je suis surpris. Eh oui. Et grâce à qui? Grâce à Bibi, qui a eu la petite idée de bien vouloir amener le feu sur Terre. Le progrès. On n'arrête pas le progrès, mon cousin. Le progrès, tu dis? Mais qu'est-ce que le progrès? Le progrès tient en deux phrases. Pourquoi vouloir faire sans, quand on peut faire avec? Faire confiance au progrès, ça passe par Promélec. Un grand bravo au groupe 55.